This is fucking big. Whoa. Prefecture, northeastern Japan, an intensity of 7 was reported on the our studios. When earthquakes hit newsrooms, it's easy to see straight away how powerful they are.
tour un paysage dévasté. La côte est du Japon est devenue en 24 heures une région presque fantôme. Des villages entiers, submergés, détruits. C'est par bateau et par hélicoptère qu'il faut aller chercher les survivants. Ces enfants de maternelle viennent juste d'être secourus par les militaires, effrayés, dans les bras de leurs institutrices. Des milliers de soldats japonais sont déployés dans cette région, difficilement accessible. À cette heure, eux ont trouvé refuge sur le toit d'une école. Ils seront élitreuillés, comme des centaines d'autres. Au milieu des débris, des ruines, les équipes de secours sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des rescapés. Là, c'est une journaliste qui alerte les sauveteurs. Elle fait proie à d'importants incendies et de nombreuses raffineries sont en feu, laissant s'échapper d'immenses colonnes de fumée noire vers le ciel. Airport in northern Japan are still closed. An NHK helicopter. Obviously some fire in Chiba Prefecture. Breaking out on an oil refinery in Chiba Prefecture. North, a large fire breaking out of an oil refinery.